tous donc, et ici je vais parler des 4 parties qui composent un match de catch, quel qu'il soit, quel que soit le style, quelle que soit l'époque, etc., etc. Quelque chose que je peux affirmer, puisque j'ai dû voir au moins plusieurs matchs de n'importe quel style, de pas mal d'époques, etc. Donc je vais parler de choses qui, à mon sens, sont universelles, dans un premier temps, avant de rentrer dans des cas un peu plus spécifiques éventuellement. Mais l'intérêt d'abord, c'est, le but de cette vidéo-là, c'est de pouvoir permettre à tous les fans de catch qui, je pense, de toute façon, n'importe quel fan, inconsciemment, arrive à comprendre un petit peu les structures des matchs et voir un petit peu qu'on passe d'une phase à l'autre, truc comme ça. Mais tout le monde n'a pas forcément formalisé ça, n'a pas forcément mis des noms dessus. Et lorsqu'il s'agit de repenser un match, parfois, j'étais comme ça pendant longtemps, et je pense qu'il y a encore pas mal de monde qui sont comme ça actuellement, et ben on a un peu une masse de 20-30 minutes à l'esprit comme ça, et c'est difficile d'en parler. Donc je pense que de la même manière que de parler de couplets, de refrains, de ponts pour un morceau de musique, c'est pas mal de parler de bataille pour le contrôle, phase de domination, transition, finish, ce sont les 4 parties que j'ai, pour un match de catch, pour voilà, parler de ces phases-là, l'une après l'autre, pour aussi faire une analyse un peu plus intéressante, je pense, et puis aussi voir un petit peu quels sont les moments forts, les moments faibles du match, etc. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec ça, donc je pense que découper un match dans sa tête, en voir le squelette, c'est assez pratique. Et puis avec ça, ça me permettra aussi moi de parler un petit peu de ce que je considère comme les éléments qui peuvent rendre chacune de ces parties-là meilleures, à mon sens. Bon, ça, c'est plus perso. Avant ça, je parlais de trucs plus objectifs. Ce que j'entends pour chacune de ces parties-là, les traits qui sont récurrents dans la majorité des matchs pour chacune de ces parties-là, même si ce n'est pas le cas pour tous, puisqu'il y aura des cas spécifiques, dont je parlerai un petit peu après, pour que vous puissiez appréhender aussi des styles de catch différents, peut-être plus facilement, éventuellement, enfin je sais pas. Et donc ensuite, je parlerai donc, comme je l'ai dit, de ce qui me semble être des bons points pour rendre ces différentes parties meilleures. Voilà. Dernière précision, normalement, tout ce qui peut se passer durant un match de catch peut rentrer dans l'une, l'autre, ou l'autre, ou l'autre, l'une de ces 4 parties de match. Donc si jamais vous trouvez des choses encore très bizarres et tout ça, n'hésitez pas à me demander, mais j'y ai pas mal réfléchi. Voilà, allons-y. Alors la première partie, donc la bataille pour le contrôle du match. Donc ça correspond à ce moment, c'est souvent ce qui se passe en début de match, hein, où deux lutteurs, deux équipes, etc. font des tentatives infructueuses, c'est-à-dire non prolongées, pour prendre l'avantage dans le match. Voilà, donc c'est en fait une situation, une espèce de situation de status quo, où on n'a pas de progression, on n'a pas d'évolution, c'est une espèce de bras de fer, comme ça, de début de match, jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui réussisse à prendre l'avantage, et ensuite à démarrer une phase de domination, dont je vais parler juste après. Donc voilà. Alors, les traits récurrents, c'est-à-dire ce qui se passe souvent dans cette phase-là, typiquement, notamment les indies US ou le catch japonais, c'est la fameuse séquence de grappling, match wrestling de début de match, où voilà, les deux font un headlock, clé de bras, l'autre le contre, il le remet par terre, etc. Bref. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est bien, hein, mais ça se passe souvent. Un peu moins à WWE, un autre truc qui peut se passer pas mal la plupart du temps dans ces matchs-là, mais c'est pas le cas tout le temps, c'est d'avoir des tentatives non prolongées, mais qui laissent voir la spécificité entre les deux lutteurs, alors, qui est heel, qui est face, quelles sont les différences de force et faiblesses que les deux ont, leur tactique, est-ce qu'il y a de l'animosité qui est en train de monter ou pas, enfin bref. Donc ça permet de mettre de la matière dedans, si vous voulez. Hein, donc ça ne veut pas dire qu'il se passe rien quand je dis que c'est une situation soit du coup, c'est juste que voilà, y a pas, on ne rentre pas dans la progression du match, on est sur une espèce de partie comme ça, bras de fer, où on attend justement qu'un truc se passe pour basculer. Donc ça correspond un petit peu, si vous voulez, comme dans le cinéma, à la situation d'exposition, c'est-à-dire le moment où on vous présente les personnages, quelles sont leurs vies et tout ça, qui sont-ils, jusqu'à ce qu'il se passe un truc qui fasse démarrer véritablement l'histoire. Voilà. Donc, comme je le disais, c'est une étape qui peut être sautée, hein, on n'est pas obligé finalement de la voir ce moment-là, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet, ça arrive souvent dans les matchs qui sont assez courts, ça peut arriver aussi dans des matchs où on pourrait très bien imaginer un heel qui attaque le face par derrière alors qu'il est en train de rentrer dans le ring, du coup on est tout de suite dans une phase de domination, ce genre de truc. Donc c'est une phase qui peut être sautée, mais elle est quand même, elle existe toujours. En tout cas, il y a des choses qui peuvent se passer dans un match qui rentrent dans cette partie-là. C'est pour ça que, pour moi, elle existe et que c'est l'une des 4 parties, entre guillemets, universelles d'un match de catch. Alors un cas spécifique, c'est le cas d'un style de catch qui lui-même est spécifique, le shoot style. Donc c'est un style de catch qui se veut assez réaliste, pas totalement réaliste, sinon ça n'aurait aucun intérêt, mais quand même très réaliste. Et en fait, le shoot style, si vous voulez, dans la logique, La domination, c'est le fait d'avancer véritablement vers la victoire. C'est-à-dire qu'une fois qu'un lutteur domine, on est en train de se dire, là, il va bientôt gagner. Ou s'il continue comme ça, il va gagner. Donc finalement, l'espèce de bras de fer de début de match, c'est quelque chose d'extrêmement capital, crucial, un moment clé du match. Celui qui prend la domination, on a l'impression qu'il a presque gagné, quoi, dans le shoot style. Du coup, c'est une partie qui est beaucoup plus étirée, beaucoup plus longue, en tout cas en proportion de la durée du match total, parce que les combats de shoot style ont tendance à être un peu plus courts que les combats, on va dire, d'autres fédérations comme la WWE ou les autres fédérations japonaises. Mais en tout cas, voilà, ça peut faire facilement la moitié, voire les 3/4 du match. Voilà, donc ça peut être très intéressant. Alors si les mecs ont du niveau, évidemment, ça peut aider. Alors justement, j'en parle maintenant. Qu'est-ce qui peut être fait pour rendre cette partie-là bonne? À mon sens, il y a en gros, je dirais 3 trucs. Donc le premier, j'en ai parlé un petit peu précédemment, c'est le fait de donner de la matière à cette partie-là en posant les différences entre les deux personnages, que ce soit en termes de force et faiblesse, de tactique, de personnalité, etc. Qui est heel, qui est face, qui est impatient, qui justement a l'air de plus malin, etc. Enfin, on peut faire plein de trucs. Donc ça, c'est quelque chose qui tout de suite donne un peu plus de matière et de corps au truc et pas juste histoire de voilà, faire mumuse. Le deuxième truc important pour moi, c'est, vu que c'est une espèce de situation comme ça de bras de fer, donner l'impression que ça force, hein, c'est-à-dire qu'il y a du niveau, que si ça donne rien, c'est parce que chacun a la parade, au super truc que le mec propose et l'autre il est encore meilleur, etc. Et comme ça, et pas que les deux sont un peu incapables de prendre l'avantage, mais plutôt tellement capables que c'est difficile de prendre l'avantage. Il faut réussir à tourner le truc dans ce sens-là. Donc forcément, une grosse capacité technique et physique aussi, athlétique, je dirais, ça aide à faire ça. Et puis enfin, puisque ça fait partie de cette partie-là, le moment où on aboutit à une domination, c'est-à-dire la prise ou la séquence qui fait que, ah, ça y est, on rentre dans la partie suivante dont je vais parler, la phase de domination, eh bien, idéalement, il faut que ça se fasse sur quelque chose de significatif, c'est-à-dire par opposition à quelque chose de quelconque, c'est-à-dire quelque chose qui va être mémorable, marquant, et donc qui va rendre cette partie-là aussi un petit peu meilleure, parce que formant, en fait, dans l'idée, un tout, quoi. Bref, donc voilà, donc je passe à la partie suivante, logique. Bataille pour la prise de domination, bataille pour le contrôle, bah forcément la phase suivante, c'est la phase domination, la phase de contrôle. Allons-y. Alors ensuite, la phase de domination. Donc bon, là je crois que c'est vraiment transparent, on voit bien de quoi on parle. Je pense pas qu'il y ait jamais eu un match sans phase de domination, bon, à part vraiment cas très bizarre. Donc histoire de dire quand même ce que c'est la phase où un lutteur A ou une équipe maîtrise la situation aux dépens d'un lutteur B qui est en péril et ou soumis aux actions de l'adversaire. Je ne vais pas plus loin que ça parce que vous allez voir qu'il y a des cas spécifiques où ça ne correspond pas forcément, même si c'est très récurrent, au fait qu'il y a un lutteur qui est malmené, qui encaisse des coups et qui est un peu gelé au sol, soit parce qu'il est blessé à la jambe, soit parce qu'il est sonné, etc. Et qui éventuellement tente des réactions infructueuses pour revenir dans le match, etc. Voilà. Ça, c'est ce qui se passe la plupart du temps, mais vous allez voir qu'il y a des cas spécifiques. J'y viens tout de suite parce que, bon, vous voyez bien de quoi je parle, donc je ne m'attarde pas trop sur de quoi il s'agit, je crois que vous avez compris. Il y a 2 cas spécifiques dont je voulais parler. Le premier, c'est le cas du catch wrestling, ou du catch as catch can style. Donc c'est le type de catch qui sévissait à peu près partout dans le monde avant les années 80, et qui a encore continué un petit peu dans les années 80 selon les territoires. Et que Karl Gotch, qui est l'un des plus grands représentants de ce style de catch, finalement décrivait comme, enfin il le comparait au fait de pêcher, un poisson. C'est-à-dire qu'il y a 2 temps. D'abord, le premier temps, c'est de mettre l'hameçon sur l'autre, de le choper, et déjà de le neutraliser. Et ensuite, donc il y avait l'expression « reel in », « reel it in », un truc comme ça. Enfin, le fait de le récupérer comme ça, vous avez compris, hein, voilà. De faire tourner la roulette pour le récupérer, ben, c'est un peu le même principe. Il y a d'abord le moment où vous allez essayer de coincer l'adversaire, de le neutraliser, de le choper, de mettre dans une position où il ne peut pas se dégager, donc où il est dominé, on est déjà dans une phase de domination. Et après, il y a presque un deuxième niveau de domination où là, vous allez lui faire mal, c'est-à-dire soit en essayant de le fatiguer, ou de le mettre dans des soumissions, etc., etc., travailler une jambe, un truc. Voilà. Donc, c'est ces 2 temps-là, mais pour moi, les 2 temps sont tous les 2 de l'ordre de la phase de domination, puisqu'à partir du moment où il y a un lutteur qui a soumis l'autre, où il ne peut plus bouger, il ne peut plus se dégager, on est déjà dans une forme de phase de domination. Donc, pour pouvoir appréhender ce type de catch, gardez ça à l'esprit, même si aujourd'hui, la phase de domination correspond forcément au fait de malmener ou de faire mal à l'adversaire, c'est pas forcément le cas de tous les styles de catch dans le passé. La deuxième exception, c'est la même que dans le premier cas, c'est le shoot style. comme j'en ai un peu parlé tout à l'heure, la domination dans le shoot side, elle est assez différente. Elle donne tout de suite l'impression qu'on se projette vers le fait que si ça continue comme ça, ça va bientôt se terminer. Une domination en shoot side, c'est jamais très long. Et c'est jamais non plus, comme d'ailleurs dans un combat réel, un gars qui est complètement à la merci, genre je te prends par les cheveux, je le mets là, je lui fais ce que je veux. Parce que si tu peux lui faire ce que tu veux, tu le finis, merci. C'est ça l'idée du shoot style. Du coup, en général, ça se fait genre, c'est un mec qui place des coups, qui arrive à toucher, comme en boxe. Le mec est un peu sonné, mais il l'a pas complètement pour le finir, mais on sent que ça commence à mal tourner pour un des deux. Donc c'est ça l'idée déjà de domination. Ou alors quand on est au sol, c'est tout le temps le même qui tente des soumissions et l'autre il est tout le temps en train de défendre sur chaque soumission, il essaie de s'en sortir, du coup il est pris dans une autre, il essaie de s'en sortir, il est pris dans une autre, etc. Voilà, des phases de domination. Donc c'est assez visible, mais je voulais juste parler du fait que c'était assez différent quand même de la notion de domination type de la majorité des matchs, que ce soit des Indies US, de la WWE ou du Puro, dans la plupart des cas. D'ailleurs, pour parler de la spécificité, la UWF, qui était une fédération spécialisée dans le shoot style, avait mis aussi au point un système de points, petite répétition, donc il avait mis un système de points au point, pour compter tous les knockdowns, sur tous les moments où un lutteur est compté par l'arbitre jusqu'à 10, s'il est compté jusqu'à 10 d'ailleurs il a perdu, mais s'il est compté jusqu'à 3 il se relève, ça compte un knockdown, et compter aussi les rope breaks, c'est-à-dire les moments où il est pris dans une soumission et il va chercher la corde pour se faire casser la prise, et donc ça rendait concret ces phases de domination, puisqu'on voyait le lutteur perdre ses points, il avait le droit à 5 knockdowns et 5 rope breaks, s'il perdait tout ça, il perdait le match. Donc ça rendait le truc concret aussi, parce que peut-être justement ils avaient l'impression que c'était pas toujours très net et qu'on ça pouvait donner l'impression aux spectateurs qu'il n'y avait pas de progression là-dedans, que c'était un peu comme ça, de gars qui faisaient mumuse. Voilà. Alors, qu'est-ce qui peut être fait pour rendre cette phase-là bonne? À mon sens, il y a deux gros trucs. La première, c'est d'avoir des tentatives de comeback du lutteur dominé. Déjà parce que ça donne du rythme, ça ponctue la phase de domination, ça donne pas l'impression que ça c'est ronronnant, le gars il domine tranquille, il peut aller se balader, boire un coup, machin. Vous voyez, ça donne l'impression que c'est difficile quelque part de contrôler le match, de dominer. Donc ça augmente l'impression de niveau des deux lutteurs, parce que celui qui arrive malgré tout à dominer, malgré que l'autre essaie de revenir et continue à dominer le match, ça donne l'impression qu'il est dur à renverser, difficile à manœuvrer. Et puis ça donne l'impression que celui qui est dominé, il n'est pas juste bon à rien, et qu'il a quand même un petit peu de réserve, et qu'il a de l'énergie, etc. Donc ça donne de l'intensité par opposition à ce côté un peu ronronnant que certaines dominations, à mon sens plutôt mauvaises, ont. Et puis le deuxième truc qui peut rendre une domination à mon sens bonne, c'est de donner de la substance, donc notamment en y mettant de la psychologie. C'est là que la psychologie se met en place en particulier, je pense. C'est-à-dire d'avoir un lutteur qui est dominant, qui se donne de la personnalité, qui semble dominer, par exemple en travaillant une partie du corps, parce qu'il prépare son finisher, ou justement pour éviter que l'autre puisse porter tel move. Typiquement, voilà, le mec qui défonce la jambe d'un gars qui aime bien utiliser des kicks. On pourrait imaginer, je sais pas, demain, John Cena détruire la jambe de Daniel Bryan juste parce qu'il veut pas prendre les kicks de Bryan, etc. Enfin, vous voyez l'esprit. Donc voilà, donc ça c'est vrai que vous faites d'ailleurs de jouer le gros connard auprès du public pour teaser le retour du face. Il y a plein de trucs à faire, mais ça donne de la substance. Ça donne pas le côté un petit peu, bah, il y a une domination parce qu'il faut bien qu'il se passe quelque chose, quoi. Tout de suite là, ça la rend un peu plus touffue. Voilà. Donc forcément, vous vous doutez que dans un match, en général, il n'y a pas qu'une phase de domination, il y en a plusieurs. Et donc, pour passer d'une phase de domination à une autre, eh bien, il y a ce dont je vais parler maintenant, les transitions. Alors, donc, les transitions. Alors ça, c'est un gros dossier parce que personnellement, c'est un truc dont on ne parle pas tellement souvent, je trouve, sur les forums. Et c'est un truc sur lequel je focalise personnellement beaucoup. Peut-être c'est pas le cas de tant de monde que ça, mais je trouve que c'est vraiment quelque chose de crucial dans un match. Alors parfois les gens parlent de ça en disant les contres. Enfin, pour moi ça correspond vraiment de façon claire et nette de caractéristiques. C'est le moment où la suite d'actions faisant se terminer une domination pour basculer sur une domination inverse ou éventuellement sur la fin du match. Ça peut arriver qu'un gars gagne le match sur un contre, paf, voilà. Il n'y a pas de domination réellement, derrière ça finit direct. Bon bref. Donc ce qui se passe souvent, c'est pour ça qu'on parfois on parle d'un amalgame avec le fait de contrer, c'est que souvent ça se passe, ce moment-là, ce basculement sur une esquive ou sur un contre ou éventuellement aussi sur une triche. Bon, c'est pas universel, mais c'est les trois principales manières de faire basculer une phase de domination vers une autre. Donc une esquive, le mec qui tente un splash de la troisième corde, il saute, paf, l'autre se range, il se ramasse, les deux sont KO par terre et celui qui était dominé avant se relève en premier, le chope, merci, voilà. Ça arrive souvent. Un contre, vous voyez bien ce que c'est, et puis une triche, Le heel qui était en galère depuis un moment, il réussit, il a son manager qui distrait l'arbitre, et lui, il prend un objet, et bam, voilà, typiquement aussi. Donc vous avez, voilà. Et là, on comprend bien ce que c'est que la transition, c'est ce moment-là. Voilà. Alors, il y a des cas spécifiques, beaucoup moins, je pense, que sur tout ce que j'ai dit avant, mais je dirais que le principal truc spécifique, c'est qu'on peut avoir un nombre de phases de domination très différentes selon les fédérations, des phases de domination plus ou moins longues selon les fédérations, et du coup, le nombre de transitions va lui-même être différent, mais je dirais aussi l'importance de ces transitions-là aussi. Si on a un match tout simplement fait, c'est-à-dire bataille pour le contrôle, domination des heels, par exemple, ou du heel, transition, domination du face qui finit le match, paf, cette transition-là, elle devient cruciale à ce moment-là. J'en avais parlé notamment quand j'avais parlé du Brock Lesnar versus John Cena de 2012, où le moment où Cena avait finalement pu revenir, j'avais trouvé que c'était quelque chose de crucial dans le match et qu'il n'avait pas été si bien fait que ça, c'est dommage parce qu'à peu près tout le reste était excellent. Donc voilà, d'où la note que j'avais mis, je ne sais plus combien j'avais mis, bref. Donc voilà, donc, quelque part, je dirais que moins il y a de transitions, plus on les retient, et du coup, plus elles ont de l'importance, et donc plus il faut les travailler. Mais après, plus on a de transitions, plus du coup, ça devient banal, et je pense qu'on se retrouve à avoir des matchs qui ont un côté un peu fade aussi. Donc c'est un équilibre à trouver, parce que bon, si on en a peu, il faut vraiment qu'elles soient excellentes, donc c'est difficile, et si on en a beaucoup, ça enlève l'intérêt et ça rend le match peut-être un peu plus fade. Voilà. Alors, pour rendre ces transitions-là bonnes, trois trucs, à mon sens, j'ai trouvé trois trucs qui me viennent à l'esprit. D'abord, que la transition soit en accord, logique avec ce qui s'est passé avant. Donc, typiquement, le mec qui est KO, faut pas que tout d'un coup il soit plus KO. On ne sait pas pourquoi tout d'un coup il est plus KO et il peut se mettre à courir ou à faire un truc génial. Voilà. Mais non, il était KO, il est KO. Faut qu'il trouve un compte qui soit à peu près en accord avec le fait d'être KO. C'est un truc que tu peux raisonnablement te dire. Il peut le faire même en étant un peu dans le vague. Voilà. De même, typiquement, le mec qui est blessé à la jambe, sa transition, ça va pas être sur un dropkick, sinon c'est complètement con, le mec il peut pas marcher mais il peut faire un dropkick. Bon, à la limite ça va encore, parce qu'un dropkick on peut se dire, allez, il fait fi de la douleur, juste le moment de prendre l'impulsion, mais des fois on a des trucs genre le mec il est blessé à la jambe, mais la transition se fait sur un truc où il prend une course d'élan et tout. Je dis c'est un peu con, parce que dans ce cas-là, le travail sur la jambe n'a servi à rien, vous voyez. Donc pour moi, plus c'est en accord logique avec ce qui s'est passé avant, plus la transition sera acceptée par le spectateur, et du coup, enfin en tout cas par moi, et du coup, parce que c'est un peu plus perso, hein, pour rendre ça bon, c'est vrai que c'est un peu subjectif, mais voilà, plus ce sera en accord logique avec ce qui s'est passé avant, plus je pense que ça sera accepté et donc s'intégrable mieux au tout, et tout ça, ça donnera une sensation de logique comme ça, c'est assez agréable, je trouve. Voilà. Deuxième truc, je pense que, idéalement, la transition doit plutôt être sur l'action du gars dominé plutôt que sur un raté du gars dominant. C'est-à-dire le mec dominant, il veut tenter un truc et il se casse la gueule, ou je sais pas ce qui pourrait se passer. On a l'impression que le dominé, il peut revenir dans le match un petit peu par un coup de bol. Et je trouve que c'est peut-être mieux, en tout cas ça donne plus une impression de niveau comme ça, et d'intensité comme je dis, si c'est le dominé qui a réussi à faire un truc superbe. Et plus ce qu'il a fait est beau, car soit il a fallu vraiment beaucoup de technique, ou comme ça, du fighting spirit, ou je sais pas, selon les époques, les fédérations, les styles, on va avoir des choses assez différentes. Mais en tout cas, voilà, faut que ça donne l'impression de niveau, et donc éviter ce moment où c'est plutôt un raté du dominant. Bref. Et le troisième truc, pour moi, c'est le plus important, c'est le fait que ce move-là soit quelque chose d'extrêmement marquant, pas trop téléphoné, et qui reste vraiment en tête comme un truc. Quand on va penser à quelques moves du match, celui-ci, on va pouvoir se le rappeler tout de suite. Moi, j'ai vu des matchs où, parfois, la domination bascule sur, genre, un mec qui court, et l'autre, il est dans le coin, et il lève la jambe. T'es là, putain. C'est un peu limite, quoi. Tu te dis, essayer de foutre un big move à ce moment-là, c'est pas mal. Alors, il y en a qui l'ont bien compris, notamment à la Noah, fédération japonaise, la Pro Wrestling Noah, où typiquement, leur transition, ils les font sur le bord du ring, entre les cordes et l'extérieur du ring, sur un move qui part du bord du ring jusqu'à l'extérieur. Donc, un truc vraiment violent. Et là, ils savent qu'ils vont avoir le public avec eux, c'est clair, et ça marche. Voilà. Après, s'ils le font à chaque fois, ça peut être un peu chiant, mais voilà, ça fonctionne, à mon avis, c'est plutôt une bonne idée. Voilà, et donc, transition, domination, on peut en avoir autant que vous voulez, jusqu'à ce qui se passe, forcément ce qui termine le match, le finish, j'en parle maintenant. Alors le finish, bon, ça paraît évident, mais je vais quand même préciser 2-3 trucs. Le finish, c'est donc ce qui amène la fin du match, c'est comment le match se termine. C'est toujours un truc qui est toujours quasiment booké à l'avance, décidé avant le match, qui gagne, comment il gagne, etc. Mais c'est pas seulement les 4 dernières secondes, ça peut être aussi un petit peu ce qui amène la fin. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez difficile, c'est un peu flou. C'est difficile parfois de vraiment dire à partir de quand on peut considérer que c'est le début du finish ou non. Mais en général on se comprend quand on dit j'aime bien comment le match se termine. Ou si on parle du finish stretch, j'en ai parlé dans une autre vidéo, c'est-à-dire toute la portion où il y a des tentatives de tomber, puis c'est cassé par un partenaire, un truc, enfin bref, dans les tag match ça arrive souvent. Bon bref, donc finish ça envoie un truc qui n'est pas clairement défini comme ça, mais c'est comment le match se termine, bref. Donc typiquement, à l'approche du finish, on va avoir une augmentation du rythme, c'est-à-dire que ça va un peu plus s'exciter, on va avoir un peu plus de tombées, on va sentir que la fin est proche en mettant plein de trucs, notamment dramatiques et tout ça. Ça évite d'avoir une fin abrupte qui peut déplaire à certains fans en tout cas, enfin, c'est surtout le cas dans le catch actuel. Donc ça c'est des trucs qui sont assez récurrents dans le finish mais qui sont pas universels donc. Et puis il y a des cas spéciaux. Le premier cas spécial c'est d'avoir, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, une transition finish, c'est-à-dire le fait que le match se termine sur un contre. Par exemple on a une domination d'un gars et puis tout d'un coup il est pris dans un small package, 1, 2, 3, merci. Donc il n'y a pas eu de passage vers une autre domination ou vers un move du gars qui a gagné. Finalement le finish c'est un contre de la phase domination, donc une transition. Donc, on peut appeler ça une transition finish si vous voulez. Bref, donc ça c'est un cas spécial, juste histoire de le dire. Un autre cas, bon c'est pas vraiment un cas spécial, mais ça je voulais en parler ici. J'ai le sentiment que de nos jours, là aujourd'hui, et je situerais ça je pense depuis l'Attitude Era, je pense que c'est quelque chose qu'on a gardé de l'Attitude Era encore aujourd'hui, parce qu'on en est quand même maintenant loin, c'est le fait de focaliser, pas mal de fans focalisent énormément sur la fin du match. Si vous lisez les commentaires des gens sur les forums à propos des matchs et tout ça, vous avez beaucoup de gens qui vont vous parler de comment ça se termine. Et si ça se termine sur une disqualification, s'il n'y a pas vraiment de fin, ou si la fin elle est ratée ou quoi, les notes vont être carrément plus basses que si la fin elle est banale, ou alors si la fin elle est géniale, alors là par contre ça va partir sur une note de fou furieux. Ne serait-ce que regarder, je pense que ça influence pas mal la note, qui gagne, etc. Alors je trouve, moi personnellement je suis pas trop d'accord avec ça, peut-être que ça vient du fait que j'ai beaucoup regardé le catch dans les années 90 avant de voir les choses de l'Attitude Era et après. Mais en tout cas, pour moi, le finish n'est pas important en soi. Ce qui est important, c'est qu'il ne ruine pas ce qu'il y a eu avant. Donc là, j'ai parlé un petit peu de ce qui, à mon sens, encore une fois subjectif, peut rendre un finish bon. Pour moi, un mauvais finish, c'est pas quelque chose qui est mauvais en soi. Genre, double count out, forcément, c'est pas satisfaisant. Mais à mon sens, c'est pas forcément mauvais. Enfin, c'est même pas mauvais. Voilà. C'est juste pas bon. Mais vous voyez, j'ai vu comme ça. Voilà, c'est ça le finish, ok, très bien. Un mauvais finish, pour moi, c'est un finish qui vient détruire ou ruiner tout ce qui a été fait avant. C'est-à-dire, par exemple, les mecs ont l'air d'être KO relativement facilement, ou voilà, bon, ils ont un selling qui est relativement cohérent, juste à la fin, où là, par contre, ça fait des kick-outs de finisher dans tous les sens. Les mecs, ils prennent un suplex, ils se relèvent directement, ça arrive dans le bureau et ça m'agace beaucoup, par exemple. Ou le mec qui a eu mal à la jambe pendant un quart d'heure, il pouvait plus blesser, puis tout d'un coup, à la fin, il se met à courir, à sauter, tout ça. Et ça arrive souvent parce qu'on a le sentiment que, pour beaucoup, c'est important de faire comprendre aux spectateurs qu'on arrive à la fin du match, c'est important d'augmenter le rythme, c'est important d'augmenter l'intensité, etc. Du coup, ils sacrifient tout ce qui s'est passé avant pour avoir une fin un petit peu folle. Et beaucoup de fans semblent se satisfaire de ça parce que le finish est pour eux quelque chose d'important, suffisamment important, pour sacrifier un peu la logique du match et avoir comme ça cette espèce de finish fort. On peut avoir un très bon finish sans avoir ça. Et c'est pour ça que personnellement, j'ai a priori très très peu de 5-star match, ou de très très grands matchs depuis l'Attitude Era, quelle que soit la fédération, alors que je trouve que la WWE est excellente actuellement et tout ça, mais je trouve que c'est l'un des trucs qui font que ça les plafonne un peu, ils ont beaucoup plus de mal peut-être qu'avant à atteindre des très 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 hautes notes, alors qu'ils ont plus de facilité a priori à atteindre des simplement hautes notes, j'ai le sentiment. Bon c'est peut-être juste moi perso, mais voilà, je trouve que c'est un vestige, c'est un truc qui se passe beaucoup actuellement, et voilà. Donc, moi personnellement je suis pas de ce... je mange pas de ce pain là, le finish pour moi s'il est mauvais en soi mais qui détruit pas le reste du match, il sera largement meilleur qu'un finish bon en soi, mais qui détruit le reste du match. Après, si le finish est excellent en plus du et qui se prolonge bien et qu'il est assez cohérent avec ce qui s'est passé avant, évidemment, c'est tout bonus. Et là, c'est parti, faisons la fête. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là et je vais sûrement écouter vos questions et vos réactions avec grand intérêt. J'espère que ça vous permettra aussi de mieux comprendre, peut-être pas comme ça, mais décomposer un match dans votre esprit lorsqu'il s'agira de parler d'un match de catch. Voilà, donc à la prochaine avec une vidéo concernant l'année 90 à la WWE.